vous allez bien, de ma part ça va. J'ai pas eu vraiment le temps de filmer le début de la matinée, donc là je suis avec ma maman, elle est là. Là on est au centre-ville parce que je me prépare pour mes fiançailles, qui va se passer demain, donc je suis trop contente. Ce matin je vais vous montrer, j'ai pu filmer un tout petit peu, je suis partie faire mes ongles, donc je suis avec ma soeur, Alia et ma maman. Et là du coup on va manger, je vais essayer de charger ma caméra parce que j'ai pas de batterie, c'est pour ça que je filme pas depuis ce matin. Donc voilà le débrief et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Elle est là, elle est servie et tout. Allez, vas-y. Bon, la famille, aujourd'hui on est samedi 31 juillet. Donc ça y est, c'est le grand jour, je suis hyper stressée, pourtant hier j'étais pas du tout stressée, j'ai pas pu filmer ma journée parce qu'elle était déjà compliquée, elle était trop compliquée, en plus j'avais pas beaucoup de batterie, c'était vraiment très compliqué. Donc là, je viens de me réveiller, donc je vais chez moi parce que en fait ça se passe dans deux maisons, donc il y a chez maman où on va décorer, voilà, tout va se passer chez maman. Mais il y a un beau soleil là. Mais chez moi, du coup, les mamans, elles vont faire à manger là-bas et tout, mes tantes. Et puis voilà. Donc là, du coup, je me dirige chez moi pour aller chercher des trucs et tout. Enfin, même pas pour aller chercher, je dois aller leur acheter leur petit déjeuner. Là, il doit être en gros 9h, je pense. Donc voilà, en tout cas on reste ensemble, je vais essayer vraiment de vous filmer des petits moments et tout, et voilà, à tout à l'heure. Bon, ma famille, là je suis arrivée chez moi, donc je pense qu'elles sont pas en train de dormir, je sais pas si on commence à faire à manger, en tout cas on va filmer tout ça, c'est parti. Bon, là on est en train de me faire des tresses pour ma perruque. Ah, je porte des lunettes maintenant. Ouais, c'est vrai, ils n'ont pas vu avec des lunettes. Donc, il reste pas beaucoup. Non, ça va aller. Donc, ça va. Voilà. On s'en sort, laisse la tête. Bon, Fidéline, elle est en train de maquiller Lulu, qui est là. Et Nénette, elle est en train de se faire coiffer par sa maman. Bon, les filles, dites un mot, Fidéline, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses de ces fiançailles? En fait, tu vas grave me faire répéter ce que j'ai dit. Allez, vas-y, parle. D'où tu connais le couple Bénédicte et Yann? Et Lulu, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Que c'est bien. Et puis voilà, toi, gloire à Dieu. Voilà. Ça va la caca. On sait jamais. Mm-hmm. Oh là là, ouais. Sa couleur. Christelaine, qu'est-ce que tu penses de ce couple? Du couple, carrément. Oui, du couple. Oh, j'espère que vous allez aller me voir. Vous allez me faire plein de devoirs. Que Dieu va vous bénir. Bénir cette union. Amen. Alia, coucou. Toi, t'es déjà coiffée? Alors, t'es contente pour ta maman? Oui. Ah, ok. Et t'es contente pour Yann? Oui. Oui? T'as hâte? T'as hâte de mettre ta robe? Ah. Mais robe, Alia, parle! J'avoue, elle est belle ta robe. Enfin, vous allez voir quand j'aurai la voilà. Quand je le réunis. Elle a démarré. Ok. Bon, la famille, là, je suis en train de stresser. Comment vous dire que ma maquilleuse, elle est même pas encore là. Elle m'a dit qu'elle allait arriver 14h30. Et là, je vous dis, il est presque 17h. Et dans une heure,
genre ma belle famille va arriver. Donc je suis en train de me pisser dessus. Je suis en train de flipper à mort. Là je descends parce qu'elle m'a dit qu'elle est là. Est-ce qu'elle est là pour de vrai ou pas? À voir. Que tout ce que nous allons discuter aujourd'hui, tout ce que nous allons échanger, que ça se passe sous la gouverne du Très-Haut. Ça sera nous protéger tous et nous sanctifier au fait et sanctifier les deux personnes qui nous réunissent. Ok, on a l'âge de Jésus. Jésus, grâce à toi. Notre fille nous a beaucoup dérangé pendant un certain temps en nous disant que voilà papa, il y aura des gens qui vont passer, il y aura ceci. Mais ok, comme elle nous a tellement dérangé que les dates ont été échangées de part et d'autre, tout ça, on s'est dit bon, aujourd'hui c'est le jour fatidique. Nous, en tant que parents, nous n'avons pas beaucoup à dire. C'est les gens qui viennent, qui vont nous exposer ce dont ils sont là, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils comptent faire par rapport à notre fille Bénédicte. Donc, je ne sais pas qui est mon pendant de tout côté qui va échanger avec moi. C'est moi qui vais échanger avec vous. Ok. Donc, moi je suis M. Barthélémy Thibon, je suis oncle à Bénédicte. Donc, je suis marié à la grande soeur à sa maman. La mission délicate m'a été confiée aujourd'hui de vous entendre de transmettre les rapports acquis des droits. Les tentes sont là et après on passera aux présentations. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Ben, je veux remercier beaucoup aussi de votre accueil. Bien que notre voyage a été très long, on a une mission vraiment spéciale. On est un peu comme le commando aussi, parce qu'un commando, il a bien un motif bien précis qu'il doit faire, une mission à accomplir pour pouvoir rendre compte exactement aussi à la famille. Oui. Je suis très reconnaissant pour ce dérangement et puis je remercie encore une fois parce que vous me permettez de venir chez vous. Et nous sommes venus ici parce que mon fils ici a fait pareil aussi comme pour lui ici. Bon, je suis son oncle. Donc, oui, il y a une fille là-bas qui m'intéresse. Je me reviens, qu'on puisse aller voir, c'est qu'on ne peut pas voir les parents et tout. J'ai un peu hésité parce que chez nous là-bas, les aéroports sont compliqués. Il n'y a pas d'avion tout le temps, il faut attendre. Mais là, cette fois-ci, on a eu quand même un avion spécial qui nous a amené jusqu'ici. Et cet avion nous a conduit jusqu'ici dans cette maison. Vous vous expliquez effectivement pourquoi nous sommes venus ici. Nous sommes venus ici parce que nous voulons, on va même pas, comme je dis, je n'aime pas trop parler beaucoup, c'est tellement délicat. La mission, c'est que nous voulons votre fille.
vous la voulez de quelle manière? Parce qu'il y a vouloir et vouloir, comme on dit. Justement, en posant cette case. Alors, au jour d'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, que avant de commencer toute chose, on doit d'abord prier. Vous savez, nous aussi, on a aussi cette habitude de prier aussi lorsqu'il s'agit d'une femme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Tout à fait. Il y a beaucoup d'hommes aussi. Hein. Mais le cœur et les yeux sont différents. L'œil regarde toujours ce qui brille. Mais le cœur regarde toujours ce qui s'intitule bien. Tout à fait. Alors, quand on vous pose cette question, c'est que nous ne sommes pas venus ici pour raconter de femmes, parce que nous voulons prendre votre fille dans notre famille. Ok. En tout cas, c'est quelque chose de précieux ce que vous dites là. Nous, de notre côté, nous sommes contents quand quelqu'un vient chez vous, vous dites que je veux votre fille, je veux la marier, ou je veux... En tout cas, ça, c'est la joie, puisque cette joie-là, non seulement elle s'est traduite, elle s'est traduite si on fait des projections. Je veux juste ajouter quelque chose par rapport à tout ça aussi. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je le répète toujours, parce que nous on a un avion. Cet avion-là, il y a toujours un temps. Et ce temps est limité. Mmh. On n'aime pas trop attendre. Mmh. On n'a pas le temps parce que vous savez que le Covid, avec tout ce qui se passe, la limitation, le billet, le pass sanitaire, etc., ça nous bloque. Mmh. Donc, nous, on rentre directement dans le vif du sujet pour vous faire comprendre exactement qu'on n'est pas venu pour dormir une nuit. On est venu ici là parce que nous voulons être nous dans cette maison, que vous aussi venez dans notre maison, former une famille. Donc, à ce titre, nous avons préparé ceci pour vous montrer voilà, que nous sommes intéressés. On est vraiment là parce que nous voulons absolument avoir Bénédicte avec nous, comme, pas comme une amie. Mais amis, bien sûr, parce qu'il y a des couples qui sont aussi amis. Mmh. Hein? Pas juste copains, copains. Non, ça, on n'aime pas. Dans ma famille, on n'a jamais aimé des choses comme ça. Alors, quand on veut quelque chose, on va direct au but. Comme ça, après, et voilà. Voilà tout ce que je peux vous montrer, ce que vous avez devant vous. Ce qu'on a pu prendre dans l'avion, parce que vous savez, l'avion était petit. Hein? On ne voulait pas mettre toute la famille. Le peuple s'en est arrivé. Voilà. Et je peux ajouter. Nous aussi, on n'est pas là pour accepter des aventures. On n'est pas une famille où on accepte n'importe quoi ou n'importe qui. Donc, nous sommes une famille qui a été vraiment bien dressé, comme on dresse les chevaux. Donc, chez nous, comme vous êtes venus là, si on accepte ça, c'est qu'on vous donne, on vous accepte pour notre fille. Vous voyez? Donc, je voulais dire que les aventures ne nous amènent pas loin. Mais les aventures, nous les voulons. Bon, nous voulons des choses qui soient vraiment sérieuses. Hein?
Non, là, vous venez de planter un arbre, que cet arbre-là prenne de racines, et que cet arbre-là, c'est un arbre fruitier, que ça puisse un jour, voilà, que les gens puissent manger, dire, ah, par exemple, la mangue. Ah, c'est sucré, hein, c'est bon. Hein. En tout cas, je n'avais pas planté cet arbre pour rien. Donc, hein. On va rentrer dans tous ces détails et les choses qu'on a laissées en suspens. Pour pouvoir mettre tout en place. Parce que forcément, nous aussi, dans notre. Nous aussi, et comme je disais à Yann hier, je suis très heureux de rentrer dans une famille. Je vais vous débarquer et vous demander de prendre Air France. Symboliquement à celui-là. Voilà. Et ils ouvrent la porte, nous nous clôturons la parcelle, nous savons que après Yann, plus personne, voilà. Plus personne ne viendra. Hein? Donc nous, en notre conscience aujourd'hui, nous savons que c'est Yann, un point, un trait. Après, tu ne nous ramèneras pas une autre personne pour dire oh, non, je ne veux plus de lui. Tu me dis solennellement, est-ce que tu acceptes cette enveloppe? Oui, je l'accepte. Applaudissez. Maintenant, ce verre-là, nous te donnons ce verre-là pour que tu t'avances vers Yann
Nous, on ne connaît pas. Qu'ils boivent en votre honneur et en notre honneur. Voilà. Alors, lui, il boit et il te fait boire aussi. Voilà. Tu les fais boire et il te fait boire aussi. Touche pas. Simplement dans la rue, des clins d'œil, des paroles échangées. Aujourd'hui, vous nous réunissez tous. Ici. Donc, ce que vous posez comme acte aujourd'hui, c'est les deux familles. Donc, c'est un acte très important. C'est un acte très important puisque cet acte que vous posez là, vous scellez deux familles pour l'éternité. Pour l'éternité signifie, c'est la première étape que vous posez là. Cette étape, aujourd'hui, scelle deux familles. En tout cas, je vous bénis et je demande à Dieu de vous bénir pour que de votre union sorte de tout petit. Voilà, moi j'ai beaucoup de petits. On peut se montrer. Voilà, caca. Que ça soit pas que vous nous avez trouvé déjà clôturé la parcelle, vous venez, vous détruisez la parcelle. Non, non. Vous faites le. Il a un cadeau. Montre-nous les cadeaux. Pas digne d'être devant toi, Père. Nous sommes devant toi, Lord Jésus-Christ. Seigneur, ce repas a été préparé. Et ce repas, tous ces aliments ont été achetés. Et nous ne savons pas comment ça a été fait là-bas, Père. Mais tu nous as dit dans ta parole que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses, Père. Et lorsque nous mangeons, nous devons rendre grâce, Père. C'est toi qui es ton Père et Saint-Esprit de ta vie. Thank you.